Eh bien, bonjour, bonjour. Je vais vous faire aujourd'hui un tour de cartes, ou plutôt une routine de cartes que j'ai nommée la 52e carte ou la carte numéro 52. Pourquoi la carte numéro 52? Vous allez le savoir en fin de routine. Pour le moment, j'ai avec moi une spectatrice. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai ici deux cartes. Deux jeux de cartes, deux jeux de 52 cartes. Vous avez un rouge et un bleu. Vous allez choisir n'importe lequel des deux jeux de cartes. Jeu rouge. Vous avez choisi le jeu rouge. Bien. Ce jeu rouge-là, il va être notre jeu principal. C'est le jeu de référence pour notre routine. Il sera pendant toute la routine bien en vue. Et surtout, je ne toucherai pas ce jeu-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'as choisi, je ne le bouge pas. On va travailler avec le jeu bleu. Alors, donc, le jeu bleu. Donc là, je vous explique, vous allez faire deux choix. Deux choix. Un choix d'un nombre de 1 jusqu'à 52 et un choix d'une carte. Mais ces deux choix-là, je vais pas. À aucun moment je vais prendre connaissance ou je vais le savoir et surtout ne me le dites pas. Ça sera votre nombre secret et votre carte secrète. Alors, pour choisir d'abord le nombre de 1 jusqu'à 52, vous allez prendre au hasard un nombre que vous voulez de cartes d'entre les mains et vous allez, moi je vais retourner la tête, vous allez choisir compter une à une ces cartes. Et surtout, ça sera votre nombre secret et me le dites surtout pas. Alors, prenez d'abord le nombre de. J'ai retourné la carte pour la caméra. J'ai retourné la tête pour la caméra. Je ne regarde pas. Prenez n'importe quel. Voilà. Ça y est. Alors maintenant, vous allez compter les cartes, mais vous comptez dans votre cœur là. Je ne veux pas entendre combien le nombre de cartes. D'accord? Alors, quand vous Oui. avez fini, ça y est? Alors, maintenant, vous allez prendre le reste des cartes qui sont sur la table et vous allez les mélanger, surtout les mélanger vous-même, parce que c'est très très important. Mélangez les cartes, comme ça, voilà, mélangez bien, comme ça. Moi, je ne connais pas le nombre que vous avez choisi, ni le nombre des cartes. Bien. Ça y est? Bien. Alors, vous avez un nombre secret et là, vous avez vous-même mélangé les cartes. Maintenant, vous allez procéder au choix de la carte et comme avant, je ne dois pas savoir la carte et pareil, je vais retourner la carte. Pour ça, je vais effeuiller les cartes comme ça, vous allez juste me dire stop. D'accord? D'accord. Ici, vous avez choisi ici, regardez bien la carte, vous allez la visualiser, je ne sais pas à l'écran, on la voit ou pas. Oui. Bon, alors, surtout vous allez la retenir. On la pose ici, ça y est, elle est bien posée là. Bien. Alors maintenant, c'est fini avec ce jeu-là. Le jeu rouge, vous vous rappelez là? Vous allez vous-même, vous allez prendre les cartes et vous allez compter les cartes jusqu'au nombre que vous avez vous-même compté, votre nombre secret. Vous allez compter les cartes et quand vous arrivez au dernier chiffre, vous arrêtez, vous mettez la dernière carte ici. D'accord. D'accord? Je rappelle que je n'ai pas touché au jeu rouge et que madame, la spectatrice, ah, ça c'est la dernière carte. Vous avez compté combien de cartes? 12. 12. Bien. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas touché au jeu rouge et c'est vous qui avez choisi les cartes. Et vous avez un nombre déterminé. Maintenant, la chute numéro 1. Ça serait bien que ce soit la carte. C'est quoi votre carte que vous avez en tête? C'est le 4 et 13. Le 4 de trèfle. Roulement de tambour. Non. Ah, c'est le roi de carreau. Ah, il doit y avoir une erreur quelque part. Et pourtant, c'est la carte témoin, celle-là. Et pourtant, là, on a bien deux cartes pareilles. Le roi de carreaux. C'était bien la carte de trèfle. C'était quoi ton la carte, tu m'as dit?
C'est pas le roi de carreau. Non. Je sais d'où vient l'erreur. Tu te rappelles du titre de la... Oui. C'est la carte numéro 52. Et comme le jeu rouge, il a 52 cartes. Si tu avais compté une à une jusqu'à la dernière carte, qui est là, la 52e carte, tu serais tombé sur le 4 de trèfle, qui est la 52e carte du jeu. C'est pour ça que le jeu s'appelle la carte numéro 52. C'est pas encore fini. La carte là, c'est bien la carte que tu as vue. Tu sais pourquoi? Parce que tout le jeu, là, il est de couleur rouge, sauf la dernière carte. Elle est de couleur bleue. Et c'est la carte que tu as vue. Et voilà. Donc, non seulement on a deux cartes concordantes, ta carte, elle arrive à la 52e place. Et en plus, c'est bien ta carte choisie parce que elle a le tarot roux, bleu par rapport au jeu rouge. Et là, on ne comprend pas, cherche pas à comprendre. Merci beaucoup et à bientôt.